Salut tout le monde, aujourd'hui elle va vous parler de la mandarine. Merci Gaston. Alors, je me réjouis de vous retrouver. On va en effet parler de la mandarine et tous les autres citrus rapidement parce qu'en ce moment, je dois dire qu'ils sont super, super utiles. Il faut savoir que la mandarine, le citrus reticulata, on va le retrouver en Italie et plus précisément en Sicile. Et on va aussi trouver une légère différence en fonction de la maturation du fruit, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir certaines variations. On va trouver de la mandarine verte, de la mandarine jaune et de la mandarine rouge, parce que ça va dépendre de la maturation du fruit. Et donc, on aura légèrement des variations, surtout au niveau de l'olfaction. Pas tant au niveau des effets, mais vraiment au niveau du parfum. Il y a aussi plusieurs variétés. On retrouve la tangerine en Amérique du Sud et toujours la clémentine en Italie. Mais aujourd'hui, on va faire très simple, on va parler de la mandarine, du citrus reticulata, et on va donc extraire cette essence du zeste. D'accord? Alors, ses propriétés principales, elle est modératrice du système nerveux central. Donc, de manière générale, elle va calmer, elle va être super pour les insomnies, pour le stress, pour les angoisses, tous nos bobos quotidiens pour le moment. Voilà, elle va être absolument extraordinaire. Elle est aussi légèrement tonique digestive, donc pour tous les petits soucis de crampes au ventre pour les enfants, on va pouvoir y faire un petit massage avec un peu d'huile de coco, légèrement autour du nombril, c'est super, super efficace. Okay? Au niveau psycho-émotionnel, c'est intéressant de savoir qu'elle va vraiment encourager les bonnes humeurs, les humeurs positives. Donc je vous invite à l'utiliser le matin, c'est super efficace. Le fait de la diffuser, de la mettre dans la douche, je vais vous expliquer un chouette petit truc pour à faire qui est super simple et tellement bon. Donc, comment est-ce qu'on l'utilise? Dans la douche, une ou deux gouttes par terre et on va faire comme un espèce de bain de vapeur d'huile essentielle. Vous allez pouvoir faire ça avec le citron vert, avec l'orange sauvage, avec le pamplemousse, avec la mandarine si vous voulez. Alors, soit toutes mélangées, il existe un petit mélange qui s'appelle le citrus bliss, qui est très intéressant, c'est toutes ces huiles, tous ces citrus mélangés, ou simplement déjà avec la mandarine, ou l'orange sauvage, ou le citron vert, vous allez pouvoir pratiquer comme ça, et sentir les bienfaits déjà dans votre douche le matin avant de commencer. Après ça, pour toute la famille, la diffuser, 3-4 gouttes dans le diffuseur, et tout le monde bénéficie de ce petit parfum qui régule et qui calme. Pour les enfants, en dessous des pieds, comme d'habitude, au niveau du plexus solaire, toujours avec un peu d'huile végétale, mais ça peut être aussi très intéressant au niveau du plexus, disons du chakra du cœur. Là, comme vous avez vu, j'en ai mis aussi un petit peu au niveau de la face interne des poignets parce qu'on peut tout le temps aller sentir et ça a un effet direct évidemment au niveau des humeurs. Ok? Alors, ça, c'est pour l'usage. Bon à savoir aussi pour les personnes qui ont des rosiers, des potagers ou des arbres fruitiers un petit peu en peine avec des petits champignons ou des insectes. Elle est très insecticide aussi et antifongique. Donc, vous pouvez pulvériser 2-3 gouttes dans un peu d'eau et faire comme ça votre petit produit anti-insectes ou anti-champi pour pouvoir permettre aux plantes de reprendre le dessus. Et voilà, précaution d'emploi, elle est photosensible comme tous les citrus. Donc, on ne s'expose pas au soleil avec de l'huile essentielle de mandarine, ni pamplemousse, ni toutes les autres. On fait bien attention. Donc, on les utilise plutôt le soir, surtout quand vous en mettez sur le corps. Et on va déconseiller pendant les 3 premiers mois de grossesse. Donc, voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Surtout, donnez-moi vos petits retours par rapport à comment vous vous sentez quand vous les utilisez, à l'effet que ça génère chez vous. N'ayez pas peur de les utiliser. Je vous invite à jouer, à vous amuser, parce que c'est vraiment un remède absolument incroyable. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et merci d'être là.